Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le nouveau Chiayu S2. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans les high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'explique tout ça après le générique. Et après Pan Geek. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester un Chiayu. Oui, bon, ça changera. Lundi, c'était un Xiaomi. Mardi, c'était une copie contrefaçon. Mercredi, un petit Chiayu. Et demain, demain, tu vas triper ta race. Avec notre nouvelle chaîne YouTube qu'on vous présentera demain. Tranquille, vous allez voir ce qui vous attend. Bon, allez, aujourd'hui, on teste le Chiayu S2. Alors, c'est nouveau Chiayu. Les boîtes, c'est toutes les mêmes. De toute façon, ils ne s'embêtent plus. J'ai déjà eu, c'est moins cher comme ça. C'est la même que l'autre. Alors là, c'est une version pour nous 2+32. C'est marqué sur la boîte. Dans la boîte, de toute façon, il n'y a pas bien grand-chose. Si ce n'est une coque. On arrive en fait, en fonction de quand on les achète, des fois on arrive à gratter, des fois on n'arrive pas à gratter. Un film protecteur, une coque, un câble USB et un chargeur secteur. Bon, rien de bien incroyable. Comme ça, on laissera la boîte ici à son triste sort, mais bon, c'est vraiment le minimalisme. Alors, au niveau du téléphone, eh ben on peut pas l'ouvrir. Non, celui-là, on pourra pas l'ouvrir. Il est scellé, donc certains vont dire « Ah, ça ressemble à un iPhone ». Oui et non, en fait il est un peu plus fin, il est quand même super joli. Donc on va retrouver ici les deux emplacements SIM qu'on vous a ouvert en fait pour l'occasion. Voilà, donc après vous mettez une petite aiguille dedans, ou le truc qu'ils vont vous donner gracieusement. Et vous pouvez sortir les deux emplacements SIM. Donc là, vous l'aurez vu, attendez je fais ici parce que là il faut bien les sortir droit, sinon ça sort pas terrible. C'est de la mini SIM, alors vous pouvez le mettre comme ça ici, là vous mettrez votre SIM, votre deuxième, tac, on ferme, on n'en parle plus. Bon, c'est plutôt pas mal. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus moins, bouton power on off, les deux emplacements pour mettre les cartes mini SIM, donc pour le coup. Ici, dessous, rien, un connecteur micro USB, le microphone. Sur le côté gauche, rien du tout. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un petit bouton là. C'est quoi? Ça doit être le jack. Ouais, c'est pas vu ça. Voilà, c'est le jack qui est sur le côté. J'allais dire le jack sur le dessus, non. Le jack est sur le côté et un petit peu comme on avait vu chez EV. En fait, avec notre. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a un P6, nous. Et ben, il y a un petit capot ici qui permet d'éviter de faire rentrer la poussière, l'eau, les postillons et puis le sable. Surtout le sable. c'est le plus cruel. Alors à l'arrière, on va retrouver une caméra de 13 millions de pixels de mémoire sur ma feuille avec un flash LED. À l'avant, on va retrouver un appareil photo de 8 millions de pixels. L'arrière est en alu. Comme chez Chiayu, un aluminium et tout qui nous annonce quand même un très très joli téléphone qui nous est impatient de mettre en route. Ici, alors on y va. Le téléphone, donc bon c'est un Chiayu ici, donc la surcouche maison que vous pourrez enlever. Étoile dièse 06 dièse pour voir les IMEI, donc deux IMEI en 86. On vous rappelle, IMEI en 35 ans 86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones avec les IMEI en 35 et 86. Alors ensuite, ensuite le mode ingénieur, on n'y a pas accès, mais Chiayu nous a promis qu'il était compatible 900 parce que toute la gamme est 900. Vous voyez, quand on fait le mode ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Tape 1 pour la grosse cochonne. Ici, donc là, on n'a pas accès au mode ingénieur, mais gageons que Chiayu a débloqué de son. Avec l'M6592, en fait, c'est apparemment relativement facile pour eux. Mediatek a joué le jeu et ils peuvent avoir toutes les fréquences assez facilement. Ici, alors si vous en avez marre du thème, par exemple, comme moi, que vous voulez un thème Chiayu Like Pink, un thème système, c'est pas mal ça, thème système. Voilà, à l'ancienne. Voilà, ça c'est bien. Voilà, avec des beaux icônes bien moches, tout bien carré, bien. Non, ça c'est bien, voilà. Ensuite, alors la batterie, la batterie est une batterie intégrée que vous ne pourrez pas démonter, une batterie de 2000 mAh. C'est bien, mais pas top, quand on voit le téléphone comme il est juste magnifique, on se dit, c'est drôle, c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à mettre des grosses batteries dans les petits téléphones. C'est con, donc ça c'est pas mal. Ensuite, bon allez, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel qui est. Oh
John Toutou, notre maître lapin, qui nous donne le score tout de suite de 25 346. En fait, on l'a fait hier et on était obligé de, on a oublié de revenir sur le mode. Voilà, 25 346. Putain, c'est pas dégueu quand même. Hein. Allez, nouveau score maintenant avec les médiathèques. Quand même, c'est plutôt bien. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait appuyer sur un bouton. On va revenir ici. Device info, alors on a bien un Jiayu, un S2, Android 4.2 MT6592, donc un octa-core 8 x 1,6 giga. Le Mali, bah, c'est un 450, de toute façon avec tout le MediaTek c'est de rigueur. L'écran c'est un Full HD, ça c'est plutôt pas mal. L'appareil photo 13 millions de pixels, donc la RAM. Alors pour notre version, nous, c'est un 2 plus 32, à savoir qu'il existe en 1 plus 16 ou 2 plus 32. Après, ça dépend simplement de ce que vous voudrez et de combien vous voudrez y mettre. Le CPU, donc on a bien vu, c'est un 8 x 1,6 giga, donc quasiment 8 x 1,7 giga. L'écran, tout ça bien, la caméra, donc 13 et 8, ça on l'avait vu. On a une ouverture à 2.2, maintenant c'est quasiment de rigueur. Ici, hein, le build, le transmission, les other, les tout, les biens et tout. Pour rappel, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Ou alors ils sont pas rétroéclairés violemment. On a essayé, ça s'éclaire pas terrible, terrible. Alors, le CPU tester, qu'on a oublié lundi, d'ailleurs. On vous a fait remarquer, oublié lundi. Ça arrive des fois. Donc là, on a bien les 8 processeurs. On va faire une petite évaluation. Même si on l'a fait un petit peu avant, hein, vous verrez à la fin quand on a fait les vidéos. On a triché un petit peu, on a fait l'évaluation. Vous voulez savoir un petit peu ce que donnait ce processeur. Donc là, premier bip, en théorie, à moins que j'ai tout oublié. Deuxième bip, ouais, trop bien. On les a toujours dans l'ordre, hein, vous voyez. Et le troisième bip, voilà, c'est ça. 16634, voilà, pour nos fans de score CPU sur le forum, vous pourrez dire 16634, c'est pas dégueu. Surtout que le téléphone, vous voyez, tout de suite qui va vous sauter aux yeux, c'est quand même vraiment l'écran LCD. Ça, c'est vraiment une spécialité que j'ai eu. Les écrans LCD sont magnifiques. On a une belle luminosité, on a un beau contraste. En plus, je suis sûr qu'on peut pousser encore un peu l'histoire. Luminosité ici. Voilà. Ah non, il est à fond les wallets, hein. Donc on poussera pas un peu davantage, on pourra le baisser un peu. Ok, allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître le pouce, l'homme à la mèche, ah ouais, on voudrait nous copier, hein, mais on pourrait pas nous imiter. Ouhouhou, il a failli agresser le Jiayu, hein. Alors, ensuite, alors l'écran, ici... On a un écran, on va se mettre là, ici, hop, tac, 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 sans rayer le truc. On a un écran de 5 pouces, c'est pas mal, ouais, c'est joli. Hein. La taille du téléphone, alors, il est relativement bien. Hein. Vous voyez, on fait moins de 140, donc on doit faire du 139, pas mal. La largeur, moins de 70, on doit être à 68, ici. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation, toujours, toujours très apprécié. Hein. On prend Madame Pia Coulis, ici, on prend un 0, voilà, on ouvre la grande gueule de Madame Pia Coulis. 6 mm 87. Ouais, donc moins de 7 mm, c'est pas mal, hein. Ça fait un téléphone qui est, oui, comme encore une fois, vraiment, c'est une bonne impression. C'est un téléphone qui est joli, qui est fin, qui a une bonne prise en main, qui a un bel écran LCD et qui est compatible 900. Le poids, 149 grammes. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Non. Bah, croyez-moi sur parole, il y a marqué 149 grammes. Donc là, c'est pas mal, ça fait un téléphone qui est pas très lourd. Encore une fois, dû à l'aluminium. Hein, ça fait... c'est vrai, l'aluminium, c'est vraiment un espèce de gage de qualité où, bah, quand on l'a en main, le fait que le téléphone soit lourd, eh ben, on se dit, c'est pas de la merde. Et franchement, c'est pas de la merde. Voilà. Donc si on vous demande, vous dites, voilà, c'est pas de la merde. Alors, les applications. Ici, on va prendre les applications en cours. Donc notre téléphone, il fait bien. Ici, tchouk, 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 tchouk. Donc on est 1 giga de libre et 700 utilisés. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 giga. On va regarder le stockage pour aider un petit peu la mémoire dédiée au système. Alors sur les 32 giga du téléphone qui sont là, les 24 giga 11, on a 3. Mais alors prendre mon souffle, dis donc. On a 3 giga. Je parle trop vite. 3 giga 94 dédiés au système. Donc là vous pourrez mettre vos applications et tout ce qui va bien. Et sur les 24 giga, vous pourrez mettre photos, vidéos, musique, MP3, applications JTGeek, tout ce qui va bien. Trop génial. Trop fort, trop speed. Voilà, donc là, on est bien sur un téléphone qui a 2 giga de RAM, 32 giga de ROM. Et qui peut, n'a pas de. Ta ROM ne sera pas là aujourd'hui, ni en micro SD. C'est bien dommage. Alors on va attaquer la technique avec Z-Device. Ici. Voilà, donc le Z-Device, là, on va enlever le GPS. Hop là, on va prendre l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, c'est bien. Le compas, ça compasse aussi. Pas mal. L'OTG, alors, ça serait vraiment la grosse déception qu'il ne soit pas OTG. Pas intérêt de me faire ça. Voilà, donc là, le téléphone est bien OTG. C'est plutôt bien. Voilà, donc on a tout. D'ailleurs, on vous rappelle, avec l'OTG, vous pourrez mettre soit une carte SD, soit une carte micro SD, soit une clé USB.
soit après vous pourrez recharger le téléphone aussi également par là. Maintenant c'est prévu avec ce petit adaptateur qui est plutôt bien pratique et que je commence un peu à apprivoiser en me disant c'est plutôt bien. Et pas à dire. La version Android, donc la version Android, on l'a vu, c'est une version 4.2. Donc on retrouve bien le Gmail. Ici, donc c'est une ROM qui est prévue pour l'international. On a bien le Play Store. On a bon, quelques applications en chinois, c'est pas grave. Nous, on a mis l'application JT Geek, hein, au cas où. Toujours servir. Il a la radio, vous voyez, on marque bien qu'il y a l'émission FM et tout ce qui va bien. Donc une ROM correctement classique. On aurait bien aimé qu'il pousse le vis en 4.3. On sait que la 4.4 sera bientôt disponible avec le processeur MediaTek. Il faut juste attendre de savoir si les fabricants vont jouer le jeu ou pas. Alors, on va écouter un petit peu de musique avec Britney Spears. Premier commentaire de lundi, c'était « Et dis donc, t'as pas d'autre musique que Britney Spears ?» Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, Britney Spears. Alors, petit haut-parleur à l'arrière, ici. Bon, c'est pas mal. On est dans le médium, hein. Il n'y a pas de bas médium, pas de haut médium, pas d'aigu du tout. Ah, ça sifflote un peu, hein, quand même, hein. Vous voyez, voilà, donc un son qui est plutôt correct, que vous aurez vraiment un bien meilleur son avec l'écouteur qui n'est pas livré avec, mais vous pouvez toujours être l'écouteur geek en option. Pourquoi Britney Spears? Oui, bah en fait, simplement, on écoute Britney Spears parce que c'est pour servir de point de comparaison avec tous les téléphones pour avoir toute la musique. Vous savez que le son varie vachement d'un musique à l'autre. Si vous écoutez du hard rock ou du rap, en fait, l'enceinte ne rendra pas du tout pareil. Et pour avoir un point de comparaison qui soit cohérent depuis le début, bah on écoute toujours Britney Spears. Je sais que beaucoup sont tristes. Beaucoup sont tristes, mais au moins ça permet vraiment de comparer tous les téléphones. Ah, celui-là il est mieux que l'autre, parce que si on mettait du hard rock, bah forcément là on est plus sur les médiums aigus, alors que si on mettait du R&B ou du rap ou du Eminem, et ben là on serait plus sur du grave ou de la basse, donc on n'aurait pas du tout le même ressenti. Hein ? C'est bien, hein ? C'est une bonne explication. Alors la vidéo, nos petites coréennes ici, donc on a bien en haut en noir les noirs qui sont putain de profond. C'est carrément... Ah, ils sont magnifiques ces écrans, vraiment. Elle a déjà eu, voilà, s'ils savent pas respecter les délais, ils savent faire de jolis écrans, voilà. Donc là, on se rend bien compte, vous voyez, avec les... On a un peu un effet borderless, là, ici, hein, avec un écran qui est vraiment au bord, bah on a juste un appareil qui est magnifique, hein, voilà. Je veux dire, là, vous avez le téléphone et tout, la lumière... Merde, ça a arrêté. Là, ici, une petite meuf. Ça, c'est quoi? Voilà, il fallait... Voilà, donc les couleurs bah, sont très très belles, l'écran est très 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 vif, belle luminosité et tout. Encore une fois, voilà, quand vous achetez du JAU, vous êtes sûr d'acheter un téléphone avec un des meilleurs écrans LCD du marché. Et ben voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas à dire, non, l'écran est très très joli, hein. Très très belle couleur. Et en plus c'est du Full HD, donc, je suis pas sûr que vous voyez vraiment la différence, mais on a vraiment un très très bel écran. Allez, ensuite on va prendre un petit peu de la photo, ici, parce qu'on aime bien ça, tac... cet écran, c'est un truc de dingue. Ici, photo. Voilà, on revient là. On zoom. Donc là, notre lampe LED spotlight. Le Pangui qui est derrière et tout. Ça zoom fort, hein, vous voyez. Hein? Alors, vous voyez quand même, c'est pas mal. Pour les 13 millions de pixels, ouais, quand on zoom un peu fort, ouais, ça a tendance à grenuler un petit peu. Hein. Bon, tant pis. Hein. Mais non, c'est quand même un bel appareil photo. Donc là, attendez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on a vu l'appareil photo, 13 millions de pixels, les vidéos en Full HD et la caméra frontale qu'on a vu. On va se mettre ici en caméra frontale. Ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. L'appareil photo frontal en 8 millions de pixels. Donc là, c'est pas mal. Donc comme toujours, vous allez découvrir sous vos yeux ébahis deux photos. Une photo prise en intérieur qui sera suivie. Comme toujours, et j'ai mal à reprendre mon sou ce matin, dis donc, hein. Il sera suivi par une photo en extérieur. Oh, il a trouvé une tête. Ensuite, vous trouverez deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Il a ramasse ce matin. Voilà, ensuite, GPS. Alors, GPS, comme toujours, on teste le GPS en extérieur. Donc là, on n'a pas une détection instantanée chez JAU. Il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Détection diesel, fait pour la France. On met le téléphone, il faut attendre que ça chauffe un petit peu. Et après 20 secondes, paf, vous voyez, tous les satellites se mettent. Et en fait, on n'a rien ou tout. C'est un peu ça chez JAU. Vous voyez, autant chez Xiaomi, on avait tout de suite. Là, on n'a rien. Et après, au bout de 20 secondes, on affiche tout. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, si on doit comparer l'animal avec un téléphone, par exemple, de même gabarit, un même écran, vous voyez qu'il y a un écran 5 pouces. Pour une fois, on ne s'est pas trompé. Ici, on va mettre un petit peu notre téléphone, là. Voilà, donc, il est un petit peu plus grand, mais au niveau de la finition, bon, il est clair que ça démonte un Samsung S4. Hein. Là, il n'y a pas... Y a
sais pas dire, l'aluminium comme ça, avec les bords, la bicolore, bon, comparé, même si vous avez du très joli plastique chez Samsung, et du très joli plastiquinium sur le côté, eh ben, ça fait pas, ça fait pas la blague, le GIU est quand même beaucoup plus joli, et de bien meilleure qualité, voilà. Ensuite, le Fifi, le Toutous, bah on a tout bien, hein. On va se mettre ici, on va aller chez, cette fois on va aller chez Google, Google.com, ici, hop là, on va se mettre chez Google, ici, oh, joli Google aujourd'hui, là on va aller chercher le JT Geek, voilà, histoire de savoir si Google se rappelle de nous, ouais, il se rappelle de nous, c'est normal, alors voilà, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal pour nous, alors bien nous on a bien aimé, bah, c'est un GIU, et GIU a bien, la marque a bien ressorti un petit peu de son gouffre avec des téléphones qui sont quand même très très quali et qui arrivent maintenant en quantité, même s'ils n'arrivent pas tous à la même couleur, ils arrivent en quantité. On aurait bien aimé le MT6592, hein, 8 × 1,6 Go, enfin 1,7 Go. On aurait bien aimé les deux déclinaisons, 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM ou 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM. On aurait bien aimé l'écran, on aurait carrément kiffé l'écran, oui. L'écran 5 pouces en Full HD en 1920x1080, les deux caméras 13 plus 8, la batterie 2000 mAh, personnellement je trouve que ça suffit. Et enfin, on aurait bien aimé le prix, 254,90€ dans sa version 1 plus 8 ou 293,90€ dans sa version 2 plus 32. Un téléphone qui n'est pas excessivement cher, qui est quand même de la gueule, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour le téléphone? On regrettera l'absence de micro SD. C'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un petit troisième là en bas pour mettre de la micro SD, ça aurait pas été dégueu. Je sais que maintenant ça existe de plus en plus. La batterie 2000 mAh, bon, pas bon. L'écran Full HD, il faudra y aller mollo dessus. Si vous y allez avec la double SIM, le GPS, le Wi-Fi et tout, c'est vrai que ça va être dur, hein, 2000 mAh. On a vu ça avec le ZP980. On est parti en vacances, c'était un petit peu dur. Donc après, bon, bah après, non, c'est tout ce qu'on pourra dire à ce téléphone, sinon c'est vrai qu'il faut avouer qu'il est très très joli et que l'écran est quand même juste incroyable. Voilà le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, bonne soirée sur Jean-Claude G3 R, le share de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, bah ouais. Voilà, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de chez en Chine, et qui vous lâche un petit pep à la fin, un petit pep et prospérité. Voilà le petit geek, moi je vous dis à demain pour la présentation de notre nouvelle chaîne YouTube. Ça se passe comme ça au JT Geek. Voilà. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.